Il n'a qu'à compter sur lui-même. Parce que dans la vie, tu ne peux pas compter sur des promesses. Tu ne vis pas de promesses. Quand tu vis, tu fais tes dépenses. Tu dépenses l'argent qui est dans ta poche. Tu ne dépenses pas l'argent qui est dans la poche de quelqu'un. Quelqu'un qui te dit, ah, je te promets 100 000 francs, demain je te donne 100 000 francs. Et puis tu commences à prendre des crédits en attendant sur ta vie, mais tu es mort. Tu es mort. Donc, pour quelqu'un, pour un enfant, pour un jeune, tu veux vraiment se lancer dans la vie à lui. Tu dois d'abord compter sur toi-même. Sur ton fighting spirit, compter sur ta âme de vaincre, ta force d'affronter les difficultés de la vie, parce que les difficultés, il en aura. Ta force de respecter celui qui est en face de toi. Ta force de respecter le travail que tu fais. Ta force de faire un sacrifice, le sacrifice de toi-même par rapport au travail que tu fais. Ne t'assois pas pour dire, ah, l'autre va le faire pour moi, l'autre va le faire pour moi, pour que je puisse bénéficier. Non, il n'y a que toi qui puisse te prendre en charge et puis te faire la place au soleil. Personne ne le fera pour toi. Même si tu as un frère qui est directeur de société, il ne viendra pas te fabriquer. Lui, il est directeur de société, il s'occupe de sa famille, il s'occupe de ses charges. Tu ne vas pas constituer pour lui une charge encore. Peut-être qu'il va t'aider de temps en temps, mais il ne va pas te fabriquer. Compte sur toi-même. Va, travaille, d'arrache-pied. Sacrifie-toi, travaille, et puis croire au travail, en ce que tu fais. Parce que quand tu travailles, tu te mets dedans, tu te sacrifies, tu vas à fond. Au bout du fil, tu as le résultat. Mais quand tu doutes, tu fais un choix. Et tu doutes de ce travail que tu es en train de faire, ce travail aussi va douter de toi, ne te nourrissant pas. C'est tout à fait normal. Qui veut réussir dans la vie, qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil? Un jeune qui peu importe le secteur. Qui veut réussir. Il veut s'en sortir. Il vient d'un milieu pauvre. Il vient d'un milieu pauvre. Il n'a qu'à compter sur lui-même. Il n'a qu'à compter sur lui-même. Parce que dans la vie, tu ne peux pas compter sur des promesses. Tu ne vis pas de promesses. Quand tu vis, tu fais tes... tu dépenses l'argent qui est dans ta poche. Tu ne dépenses pas l'argent qui est dans la poche de quelqu'un. Quelqu'un qui te dit, ah, je te promets 100 000 francs, demain je te donne 100 000 francs. Et puis tu commences à prendre des crédits en attendant sur ta vie, mais tu es mort. Tu es mort. Donc, pour quelqu'un, pour un enfant, pour un jeune qui veut vraiment se lancer dans la vie à venir, tu dois d'abord compter sur toi-même. Sur ton fighting spirit, compter sur ta arme de vaincre, ta force d'affronter les difficultés de la vie, parce que les difficultés, il en aura. Ta force de respecter celui qui est en face de toi. Ta force de respecter le travail que tu fais. Ta force de faire un sacrifice, le sacrifice de toi-même par rapport au travail que tu fais. Ne t'assois pas pour dire, ah, l'autre va le faire pour moi, l'autre va le faire pour moi, pour que je puisse bénéficier. Non, il n'y a que toi qui te prends en charge et puis te faire la place au soleil. Personne ne le fera pour toi. Même si tu as un frère qui est directeur de société, il ne viendra pas te fabriquer. Lui, il est directeur de société, il s'occupe de sa famille, il s'occupe de ses charges. Tu ne vas pas constituer pour lui une charge encore. Peut-être qu'il va t'aider de temps en temps, mais il ne va pas te fabriquer. Compte sur toi-même. Va, travaille, d'arrache-pied. Sacrifie-toi, travaille, et puis croire au travail, en ce que tu fais. Parce que quand tu travailles, tu te mets dedans, tu te sacrifies, tu vas à fond. Au bout du fil, tu as le résultat. Mais tu doutes, tu fais un choix. Et tu doutes de ce travail que tu es en train de faire. Ce travail aussi va douter de toi, ne te nourrissant pas. C'est tout à fait normal. Tu veux réussir dans la vie, qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil? Un jeune qui peu importe le secteur. Qui veut réussir. Oui, il veut s'en sortir. Il vient d'un milieu pauvre. Il vient d'un milieu pauvre. Il n'a qu'à compter sur lui-même. Il n'a qu'à compter sur lui-même. Parce que dans la vie, tu ne peux pas compter.